Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, bon matin, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te comble de ses bienfaits. Que l'Éternel Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que le Seigneur ouvre son visage et te fasse découvrir sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et qu'il te bénisse, qu'il te comble au nom de Jésus. Alors ce matin, nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'acclamer. Nous voulons dire ses hauts faits dans nos vies. Et le psaume de ce jour, le psaume 118, nous dit « Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que j'ai pour consolation ton amour, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, Seigneur. Ah, l'amour de Dieu suffit. Seul l'amour de Dieu peut remplir nos vies et nos cœurs. Seule sa présence peut transformer ta vie. Alors chaque matin, réveille-toi avec un esprit d'adorateur, avec un esprit qui loue l'Éternel, et tu verras sa main t'accompagner durant la journée. Alléluia. Tu as rempli ma coupe, tu as fait déborder ma coupe et tu oins d'huile ma tête. Seigneur, tu me rassasies le jour, tu me rassasies à midi, tu me rassasies le soir de ta présence. Alléluia. Oh. Et fais déborder ma coupe. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as oint d'huile ma tête. Et fais déborder ma coupe. Mon bonheur et ma gloire, c'est Jésus. J'habiterai toujours dans ta maison, Jésus. J'habiterai toujours dans ta demeure sacrée. J'habiterai toujours dans ta demeure, Seigneur. Ce matin, mon bonheur et ma gloire, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, David pouvait dire dans le psaume 27, je demande une seule chose au Seigneur, c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie. Alors David l'a demandé, peut-être que ce n'était pas effectif pour lui, parce qu'on peut dire qu'il n'était pas 24 heures sur 24 dans l'attente de la rencontre.
Mais pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi, cela s'est accompli depuis notre baptême. Nous sommes devenus nous-mêmes le temple de Dieu. Nous avons le Seigneur avec nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. La parole de David dans le psaume 27 s'est accomplie pour toi et pour moi. Nous, nous demeurons avec l'Éternel, notre Dieu, dans sa présence, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alléluia! Quel privilège pour nous. Alors demeure dans cette présence, mon frère, ma sœur. Demeure dans cette intimité. Demeure dans cette adoration, demeure toute cette journée au pied du Maître. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que son sang nous précède partout et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.